Salut à tous. Ah, je suis amusé. Tout ce que je vous dis depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, en fait, tous les avertissements que je vous mets, les cris d'alarme, souvent négatifs et tout ça, sont vrais. Ça se prouve aujourd'hui, ça sort. Même, il y a BFM TV et CNews, je crois, qui ont entamé la reconnaissance de l'usurpation de. Enfin, du trafic aux élections des États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est vrai. Toutes ces histoires-là, c'est vrai. Ça, vous allez le prendre dans la figure dans très bientôt, avec un gros impact, parce que c'est un truc international, donc une attaque contre les États-Unis, et voilà, c'est une sorte de guerre. Après, sur le problème du virus, pareil, ce virus qui est un gros foutage de gueule en prévision d'un grand reset, c'est vrai. Tout ça est en train de sortir, il y a beaucoup plus qui sortent, on nous promet toujours un monde meilleur demain, mais celui qui veut le voir, le voit déjà. Moi, ça fait un moment que j'ai commencé et que je suis rentré dedans. L'alimentation est la clé essentielle. L'industrie pharmaceutique, vous pouvez laisser tomber. Le vaccin, là, ils sont à l'agonie. Au niveau de l'état profond, ils sont à l'agonie. C'est la fin pour eux. Ça va se terminer. Ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça qu'ils veulent à tout prix rendre le vaccin obligatoire, à tout prix forcer les gens à se vacciner au plus vite. Il faut le savoir, aucune possibilité de vous obliger à vous vacciner, que ce soit dans un milieu professionnel, que ce soit pour les médecins. Personne ne peut être contraint. Nous avons le libre choix. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas vacciner par cette saloperie. Parce qu'en gros, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties et qui sont très intéressantes, notamment le microzima. Si vous n'avez pas entendu parler du microzima, renseignez-vous dessus, parce qu'en fait, c'est l'essence de la vie, c'est la vie. C'est un peu comme si on était comme une plante et qu'en fait on était comme les plantes bourrées de microzima dans nos cellules, et ces microzima sont en fait la source de lumière, on va dire divine, qui est reliée dans tout ce qui est forme de vie. C'est la vie en fait, et nous alimentons cette vie, les microzima qui sont indestructibles. Nous les alimentons avec des aliments corrects, des bons aliments, des plantes, des végétaux, des vitamines C, du sucre, de tout ce qu'on nous a empêché de prendre en disant que c'était nocif, par exemple. En fait, il faut procéder à l'inverse. Il faut nourrir donc ces microzima qui contiennent une espèce de, comment on appelle ça, des cristaux, en fait, des cristaux, c'est ça la lumière, c'est la mémoire. Celle-là, elle est indestructible, elle retient toute la mémoire de ce que ces cristaux ont parcouru, que ce soit à travers nos corps ou ailleurs, qu'ils soient dans la pierre ou ailleurs, qu'ils soient dans une plante ou ailleurs, et ils communiquent entre eux. C'est ce qui fait aussi sûrement la télépathie et tous ces secrets qu'on va bientôt découvrir, vous allez voir. Ben, ceux-là, il faut les alimenter très correctement. Là, ce qu'on nous fait depuis des années, on nous fait de la malbouffe, en fait, on fait tout l'inverse pour que ces microzima ne puissent pas nous annoncer la vérité, ne puissent pas donner la vraie vie. Il y a une espèce de poignée de gens sataniques qui veulent mettre la main sur le monde. Pour y arriver, en fait, il faut faire l'inverse de ce que la vie veut. Et donc, on est conditionné avec de la malbouffe, notamment, où on nous donne même... j'ai pas envie de le détailler là, sinon vous allez raccrocher tout de suite, mais quand vous apprendrez ce qu'on nous met dans la bouffe, hein, que ce soit des bouffes de Super U, de resto, ou de fast-food, ou n'importe quoi, de la bouffe, c'est absolument exécrable. C'est fait pour ne pas nourrir les microzima, de façon à ce qu'on reste bête et stupide. On revient un petit peu à ce vaccin. Donc, en fait, le microzima, il correspond, il communique avec le cerveau, il y a une liaison là-dessus, quoi. Donc, le vaccin, qu'est-ce qu'il fait? Et quel est le rapport avec toutes ces ondes-là et ces 5G et tous ces bidules-là? Personne ne comprend trop, mais en fait, c'est tout simple. Le microzima, leur objectif avec le vaccin, c'est d'enfermer le microzima dans une espèce de cellule. Cette cellule qui contient, je l'ai noté, je m'en souviens pas totalement, elle contient des cristaux de silicium et des nanobuds. Donc, ils sont injectés avec le vaccin pour faire croire au cerveau que les microzima sont toujours là et actifs, alors qu'ils sont enfermés dans une espèce de protéine, et ce n'est plus les microzima qui communiquent avec le cerveau. C'est donc cette espèce de cristaux de silicium qui fausse l'information au cerveau, qui se substitue aux microzima pour donner des fausses informations au cerveau, et il laisse la place donc à la protéine spike, qui, elle, se substitue carrément au microzima et qui est commandée par les ondes. Donc les ondes peuvent commander de façon positive ou négative. Or là, la volonté de l'état profond, c'est pas de se servir des ondes de façon positive.
J'ai entendu un truc tout à l'heure sur le déploiement des antennes 5G. Oui, les antennes 5G ont été déployées au départ pour des ondes négatives et pour se servir du vaccin, pour avoir la main sur la planète. Mais par contre, on peut aussi se servir des ondes électromagnétiques de façon positive, comme on peut donner de la vie à l'eau, on peut faire énormément de choses, on peut guérir, parce que justement, on va toucher ces micro-zima et leur donner une information qui, eux, vont après, c'est les bâtisseurs, ils vont bon, c'est compliqué à expliquer. Hein. Mais en fait, je voulais le dire, ça fait plus d'un an et demi, deux ans qu'il y a plein de gens qui me font la gueule et qui pensent que je suis parti en couille. Je ne suis pas parti en couille. J'ai jamais de ma vie, je le dis et je le redis, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je n'ai jamais accepté tel quel le monde et la scolarité et tout ce qu'on nous apprenait, tout ça c'est des conneries, la médecine c'est de la connerie, tout est de la connerie, tout est une illusion, l'illusion c'est ça, c'est pour qu'on nous cache la vérité d'une simplicité de la vie, l'énergie peut être gratuite, elle est libre, la santé est d'une simplicité extrême, on a toutes ces règles-là, les élites les connaissent, ils nous les cachent, et là le monde se réveille, donc maintenant je vous invite vraiment à ne pas être con, à arrêter d'être stupide et à suivre bêtement ces politiciens fous qui font maintenant médecine et ils font tout, hein, et vous le voyez bien, ils s'acharnent avec leurs outils de guerre qui est la télévision et qui vous pourrit l'esprit, ils s'acharnent à vouloir rendre obligatoire la vaccination, ce qui n'est pas possible, vacciner les jeunes, ce qui est complètement stupide, ça on le sait, donc tout ça c'est une belle connerie, résistez, soyez souverains, comprenez un petit peu, renseignez-vous sur les micro-zima, regardez la vie d'une autre façon, parce que la vie de demain va être vraiment très belle si on dégage tous ces cons qui soutiennent ce système là, parce que là faut arrêter, ça va contre l'humanité, et il est temps qu'en fait on rentre dans la réelle ère du Verseau, qui est l'ère de la révélation, et l'ère d'un temps de pause pour l'être humain qui va pouvoir vivre avec des vraies connaissances, des vrais outils et des vraies solutions de santé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est un message très positif, donc vous pouvez toujours penser que je suis taré, que je suis fou, mais bientôt vous allez tomber de haut, parce que là on arrive au bout, et ça va arriver, je pense, très très rapidement, on donne jamais de date réellement, mais par contre, là, ça tous les jours, mais alors il y a des nouveautés qui arrivent, c'est sensationnel, il suffit d'observer, regardez un peu, allez, bis à tous, je vous aime tous, allez, ciao.